Les Anges 10, un candidat de Ninja Warrior quitte le tournage. Après Manon et Jordan, un nouveau candidat des Anges 10 aurait pris l'avion pour revenir en France. Vous ne le connaissez pas vraiment, à part si vous avez suivi Ninja Warrior. En effet, le candidat en question avait participé au parcours du combattant de TF1. Le blogueur Jeff Lang de VIP a annoncé que Tristan était évincé du casting. Les Anges 10, Tristan, de retour en France. Tristan est parti des Anges 10 car il ne réussissait pas à s'intégrer. C'est pour cela qu'Energy 12 aurait décidé de l'évincer du tournage. Jeff Lang de VIP a indiqué, et après Jordan et Manon, c'est de nouveau un garçon qui a quitté l'aventure. Il était l'une des surprises du casting. Premier candidat de Ninja Warrior à se lancer dans les Anges, Tristan a quitté la villa il y a 2 jours. Pour le moment, le jeune homme est toujours aux États-Unis, mais c'est hors de la villa qu'il devra poursuivre son aventure américaine et. Avant d'ajouter, jugé trop arrogant par une partie des candidats, Tristan aurait eu du mal à trouver sa place dans le groupe. Et c'est sans doute ce manque d'intégration qui lui vaut aujourd'hui son départ, et pour continuer à surfer sur la vague du programme, le jeune homme continue à utiliser ses réseaux sociaux comme s'il faisait toujours partie de l'émission et. Les Anges 10, Jordan et Manon, comme Tristan. Mais Tristan n'est pas le premier candidat à avoir été évincé des Anges 10. En effet, il y a quelques semaines, ce sont Manon et Jordan qui étaient rentrés en France. Là encore, c'était le blogueur Jeff Lang de VIP qui avait annoncé la nouvelle. Comme vous le savez, les Anges sont connus pour être la télé-réalité où il y a le plus de clash et d'embrouilles. Naturellement, pour cela, il faut un casting de départ très fort avec beaucoup de fortes têtes, Amélie, Thomas, Shanna, Vincent, Rémi et. Avant de conclure, et c'est malheureusement ce qui est arrivé à Manon et Jordan. Les deux sont un peu les surprises du casting puisque leur nom n'avait pas fuité. Avant que je vous les dévoile lors de leur départ à l'aéroport. Un secret qui était bien gardé donc, mais qui s'explique puisque Jordan n'avait été prévenu que 3 jours avant de son départ pour Los Angeles.